Nabil El Modni a-t-il insulté les Algériens? Il sort du silence et s'exprime. Le blogueur Nabil El Modni, qui dénonce les dossiers sur les candidats de télé-réalité, a été vivement critiqué sur certains propos qu'il a tenus. Le blogueur est accusé d'avoir insulté les Algériens et c'est Baby Driver qui le confirme. Nabil a décidé de rétablir la vérité et de préciser que ses propos ont été déformés. Je vous laisse avec ses explications. Je vais faire une petite story de 1 minute 30 maximum, puis après je me prends pas la tête parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc j'en parlerai même plus. Il y a quelques personnes qui ont été outrées par mes propos. Apparemment, j'aurais insulté les Algériens. Que j'aurais dit que tous les Algériens, c'était des Harkis. Bien sûr, il s'agit d'une tentative désespérée de monter la communauté algérienne contre moi. Donc je vais vous mettre l'extrait de la vidéo en question. Et puis ensuite, je réagis. Chez les Algériens. Et après, j'ai rien contre les Algériens. J'ai beaucoup d'amis algériens. Mais me traiter moi de Harkis, c'est très ironique. Chez les Algériens. Donc déjà, pour commencer, j'ai rien contre les Algériens, j'ai rien contre les Harkis, j'ai rien contre n'importe quelle nationalité, j'ai quelque chose contre les cons. Et les cons, il y en a partout. Donc on va recontextualiser les choses. Il y a à peu près un mois de ça, il a fait une story, il dit « Ouais, Nabil, sale Harki ». Suite à ça, je lui ai répondu, je lui ai dit « Mais t'es complètement ridicule. Déjà, c'est très mal placé de ta part de me traiter à moi de Harki, sachant que ta mère, c'est une Harkia. Mais en plus de ça, que je sache, le terme Harki, on l'utilise beaucoup chez les Algériens qui ont fait la guerre contre leur pays. Que je sache, les Marocains, ils n'ont pas fait la guerre contre leur pays. Donc à partir de là, viens pas moi me traiter de Harki. Où est le mal dans ce que j'ai dit? Il y a quelques Algériens qui ont fait la guerre contre leur pays, on les appelle les Harki, c'est des faits, c'est la vérité. En aucun cas, j'ai insulté les Algériens ou j'ai insulté les Harki. J'ai juste répondu à sa provocation. Donc bien sûr, il est parti ressortir une story d'il y a un mois qu'il a coupé 6 secondes. Mais mets des conversations comme moi je mets, tu peux pas, parce que t'as rien contre moi. Mais tu mets des vocaux et des vidéos de moi que t'essayes de faire sortir de leur contexte qui date d'il y a je sais pas combien de temps. Mets une conversation complète ou une vidéo complète. Que les gens aient les tenants et les aboutissants. Espèce de teubé, t'as fait travailler ton cerveau toute la nuit pour essayer de trouver quelque chose et c'est ça que t'as trouvé. Enfin bref, on va pas y passer la journée. Pour ceux qui l'ont mal pris, je m'en excuse, mais encore une fois, c'était complètement sorti de son contexte. J'ai simplement répondu à sa provocation qui me traite à moi de Harki, sachant que lui en est un. C'est comme si une prostituée traitait de pute une caissière.